accès à la manifestation pour les gens, s'appelle Hypercustonici. C'est une musique ethnique, j'ai dit une musique de métichato, donc c'est une musique qui vient de la Sicile, parce que cet chanteur et musicien vient de la Sicile, mais c'est une musique de rythme, très rythmée, avec beaucoup de rythme. Donc c'est très proche à la musique tunisienne traditionnelle, mais c'est aussi très proche, j'ai vu la musique de la Mauritanie. Il y a aussi un instrument qui est un instrument, je suis sûr, de la Mauritanie. Et donc, cet artiste, ils sont venus il y a 4-5 mois, je l'ai vu à le théâtre municipal de Tunis. J'ai vu tous les gens qui dansent, se lever dans le siège, ils dansent, les gens qui disent pourquoi non. Je l'ai fait, je la porte à l'Acropolium et les gens peuvent danser. Et donc, c'est un spectacle pour des jeunes et c'est une musique qui peut. Pour écouter avec plaisir les Européens, les Tunisiens, il n'y a pas de différence, la vérité, entre les Européens et les Tunisiens. Un spectacle de jazz, nous avons choisi un chanteur international. Je pense que c'est le chanteur le plus important que nous avons porté en Tunisie jusqu'à aujourd'hui, depuis le chanteur du Théâtre de l'Opéra de Roma. C'est un chanteur qui a voyagé pour tout le monde, New York, Brésil. C'est inutile pour le monde. La chose particulière de cette chanteuse, c'est qu'elle naît comme un chanteur, elle naît d'un conservatoire de musique d'opéra. Donc elle naît comme un chanteur d'opéra. Et aujourd'hui, c'est un professeur à la conservatoire. Mais c'est dédié à la jazz. Donc aujourd'hui, il fait des jazz, qu'il y a beaucoup de contamination, c'est naturel. Contamination d'opéra, elle chante avec une voix. Ce n'est pas une voix bas comme normalement les jazz, c'est une voix bien impostée comme les chanteurs d'opéra. Elle chante, il y a d'influence aussi de musique brésilienne, parce qu'il a vu une période qui lui plaît beaucoup, lui plaît beaucoup la musique brésilienne. Il aime beaucoup Aznavour, cet spectacle, il y a un fil rouge qui est Aznavour. Et donc Aznavour, vous savez, chante aussi en italien, des chansons italiennes d'Aznavour italien et des musiques italiennes très proches à la musique d'Aznavour. Donc c'est un parcours. Il y a aussi des percussions qui sont très proches à la Méditerranée. Donc si vous voulez, aussi très proche à la Tunisie. Donc c'est un personnage bizarre. Très bien connu au niveau international, vraiment très bien connu. Vous pensez qu'il chante jazz, normalement jazz. Des années avant, il a chanté un opéra.